Juliana, âgée de 12 ans, ne pourra pas réaliser son rêve. Elle qui voulait devenir sage-femme. Admise en classe de 6e, Juliana n'a même pas pu porter pour la première fois sa tenue qu'elle venait de retirer chez le couturier. Je suis tombé sur elle et j'ai lutté avec elle jusqu'à j'ai enlevé son slip. Je l'ai étranglée quand elle est tombée et je me suis mis à fuir. Après avoir commis l'acte, Gérard passe un dernier coup de fil à ses ex-bienfaiteurs. Arrivé devant, il m'appelle. Il dit, hier, la personne, on a parlé de lui, là. Fallait au bord. Allez le voir au bord là-bas. La personne est là. Il est assis là-bas, vous attend. On s'en va voir où. Il a tué la fille. On l'appelle, il ne décroche plus. Informés, les éléments du général Apalutouré vont se mettre en branle. Le commandant de compagnie et le commandant de brigade instruisent leurs hommes qui vont mettre à moins de 48 heures le grappin sur le présumé auteur de ce crime crapuleux. C'est l'occasion de mettre en garde tout individu qui s'hasarderait à ôter la vie de son semblable. La gendarmerie sera toujours là pour extirper ce dernier de sa cachette et le mettre à la disposition de la justice pour qu'il réponde de ses actes. Le présumé assassin de l'élève Juliana a été déféré.